Olé! Bonjour, bonjour. Nous voici en Italie, à Mendatica. Donc nous allons faire la cascade. Elle n'est pas là, mais c'est Pola Rocca, c'est un village abandonné, fait, en ruine. Peut-être on peut tirer jusque-là, mais bon, San c'est Remo. désordre quand même. Refuge de San Remo, 4h50. Ouais, mais... Donc là, il y a un lac à 1h20 aussi. Et ouais, nous, on va faire la cascade. Alors, attends, la cascata Arroscia. Arroscia. Vous pouvez voir, voilà, on a mis 2 heures hein, pour venir. On est parti de Nice à 8h du mat. Et il est 10h. Voilà. Donc. Un peu moins parce qu'on s'est arrêté. Ah, c'est agréable, c'est calme, c'est la nature, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Super vert. Ouais. San Margherita. Avec le village derrière. Partout en France, on s'est tapé une semaine quand même bien pourrie, bien dégueu. Pluie, vent, tempête, la totale. Et là, regardez, on a l'impression que ça y est, quoi. Tout est bien qui finit bien. C'est tellement beau.
mot. C'est jubilatoire. C'est super beau, c'est agréable. De venir se réfugier dans la belle nature après une semaine de dingo. Bon vivre là. Et alors, mes amis, encore une fois, sur une idée originale de, vous l'aurez deviné, El Maestro. Et tenez, à ce propos, sur la dernière vidéo où nous sommes à Aiglun, à la forteresse d'Aiglun, j'ai oublié de présenter mes excuses à Daniel quand je l'ai traité de sourdingue. il avait entendu, bon, il y avait effectivement deux mecs sur la paroi qui étaient en train d'escalader. Donc il avait bien entendu quelqu'un parler. J'ai omis de m'excuser. Et voilà, je m'excuse et je vous confirme que Daniel n'est pas sourdingue. Dont on se sert pour allumer le feu. Ah ouais. Lui par contre, il date de l'année dernière. Lui. Il faut savoir qu'avec Daniel, dans la voiture, l'humour fuse. Ça fuse dans tous les sens. On se lâche. On se marre. Ah bah c'est notre credo, hein, se marrer, bordel. On n'a qu'une vie. Eh, on n'a qu'une vie, les amis. Si on se marre pas maintenant, hein, surtout la conjoncture actuelle, il faut rire. Rire, rire, rire de tout. Rire de tout. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Et moi, en ce moment, j'ai besoin de rire encore plus que d'habitude. Voyez-vous, ça, c'est la plus belle ordonnance qu'on puisse avoir quand on est malade. Je vais vous faire une ordonnance. Une journée de nature, de pleine nature. Ah, c'est pire, ça, c'est sûr. Ouais. Alors, les amis, je tenais à vous dire aussi, Daniel est à louer. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu les conseils d'un pro, la compagnie d'un spécialiste, je le mets en location. Alors, ouais, mais bon, c'est pas donné. On ne peut pas tout avoir. Il y a des gens qui louent des avions, des bateaux, ils ont les moyens, tu vois. Bon, ben voilà. Donc, Daniel est à louer. Si ça vous intéresse, un petit commentaire, voilà. Un petit virement, on s'arrange entre nous. Et voilà. Donc ce qu'il y a de bien avec toutes ces fortes pluies, c'est que ça a dû réalimenter un petit peu les sources. Ouais. Et ça, c'est bien ça. Oh putain, waouh, oh, c'est une belle couleuvre. Ça elle m'a fait flipper, je l'ai pas vu. Hop. Ah, ça fait du bien. Ah.
Regardez ce petit coin de paradis. On est sur un pont là. Il doit être beau ce pont là. Ah ouais. Ouais. Alors c'est toutes les pizzas qu'ils proposent. Moi je vais prendre une generazione, per favore. La petite table, le serveur il doit être par là. Wow. Wow. Comme c'est beau. C'est magnifique. Un peu casse-gueule. Hop là. Waouh. Moi, je trouve ça magniferbe. C'est un mélange de magnifique et de superbe. Ouais. Hein ? C'est chouettasse. C'est vraiment beau. C'est splendifique. Ça. Splendifique, bon, exactement. Les amis, c'était une rigolade, hein. C'était un joke hein, tout à l'heure. Hein. Jamais de la vie, je mettrais Daniel en location pour rien au monde. Pour rien au monde. Même... Vous pouvez même me proposer 5000 euros là tout de suite en bas en commentaire. Bon, c'est tout. Bon. Bon, je vous cache pas que laissez-moi un peu de temps pour réfléchir quand même. Mais, mais il en est hors de question. M'entendez bien ? Hors de question. Moi, je pensais 5 millions d'euros. 5 000, bon. Là, c'est la partie aventure qui commence. Petite aventure, ça va. Oh là là. Ah, ben voilà. Santa la Madonna. Jesus.
Bon les amis, quelque chose que vous devez savoir, c'est que ça, étant donné qu'il y a eu énormément de pluie, ça coule vraiment, vraiment beaucoup. C'est une chance d'avoir autant d'eau. Le Daniel, il l'a déjà vu, il n'y avait pas autant d'eau. Donc c'est vraiment un spot magnifique. On retourne sur Mandatica. Une roulade alsacienne, d'accord. Je sais pas. La fille. Mmh.
Voilà. Petit cadre sympathique. La cascade juste en face. On s'est mis dans un petit coin derrière la chapelle, là, l'église. Santa Margherita. Santa Margherita. Belle gorge là. Bon bah voilà, on est reparti en voiture et sur la route on a vu ça, on s'est arrêté. C'est joli. Petite cascade sympathique. On est à Pomme. On est dans le petit village de Panti, mais vous allez voir la suite, on va filmer. C'est super mignon. Donc voilà, toujours le petit village de Panti. Hein? Dolce Do. Donc les amis, nous sommes à Dolce Do, à 8 dizaines de kilomètres de Imperia. C'est magnifique, c'est sublime. Donc voilà, on s'est garé et on va aller visiter ça. Ouais. C'est incroyablement beau quoi. Ça a l'air joli d'ailleurs, on est passé dans Imperia. Ça a l'air super beau.
la flotte. Sympa. C'est bien psyché là. Thunderbolt Art. C'est fermé. C'est un bar. C'est un bar où tu ne dois pas boire que de la grenadine. Ah, oh, remarque, quand même, c'est assez. Ah, mais c'est super, c'est chouette. C'est pieux. C'est super chouette d'avoir un petit temps, un truc comme ça, tu vois. Pompe pas tes potes.
Buongiorno. Ça, c'est les apôtres avec Jésus au milieu. Génial. Ah, c'est vrai? C'est qualche cosa. Bello. Non. 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 Ah ouais, ça c'est la classe. Ça c'était. C'est beau, c'est vraiment, mais alors c'est incroyablement bourré de charme ce village. Ah ouais. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, on se croirait dans un vieux film dans les années 60, là, un film italien. Qu'est-ce que c'est bon. Il faut prendre du recul. Magnifique. Unbelievable. Grazie.
mes amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est dans la commune de Lecchiore. 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 C'est juste après le... Enfin, juste après, voilà. Ouais, on a roulé depuis... On a roulé quoi? 10 minutes après. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Oh, regarde, oh là là, ça a l'air incroyable. Et regardez cette petite chapelle complètement... Mais alors, je veux dire, il faut le savoir qu'il y a une chapelle ici. Hein. Ah, non, mais regardez cet endroit de rêve, là. Tu viens tourner un film de fou, ici, quoi. Je vais appeler Tim Burton, je vais lui filer le plan. Oh, waouh, c'est sublime. Regardez cette merveille. El paradiso. Mettez sur pause si ça vous intéresse. Oh, la petite maison de rêve. Juste la preuve qu'on est en Italie. Ah ouais, c'est trois en Italie. Oh là 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 là. Il descend, hein. Oh là là. C'est un truc de dingue comme c'est beau. Moi, Daniel, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas que sur Nickton Aventure qu'on voit ce genre de petites pépites? Quand même, hein. Jamais vu. Franchement. Ça mérite du pouce, hein, les amis. Du pouce, de l'abonnement, du commentaire, du wouh, c'est génial. Tiens, là aussi, regarde un peu. Tu vois ?
on peut descendre par là aussi. C'est tellement beau. Amis, ciao.